10h moins le quart. Ouais, tous les tests sont positifs, Hubert. T'es bien amoureux de moi. Mais comment j'ai fait pour choper ça? C'est pas normal! C'est peut-être à cause des sushis de l'autre jour, ils avaient pas l'air frais! Ou une morsure de poney infectée, va savoir! Cherche pas! L'amour, ça t'arrive dessus sans prévenir, comme un congélateur tombé du ciel. Un congélateur sur la tête, je m'en serais souvenu quand même. N'empêche, quand je vais dire ça aux copines, elles vont pas le croire! Personne doit être au courant! C'est secret médical! Hubert, j'écoute. Salut les amoureux! On a reçu votre SMS, c'est génial! C'est pour quand le mariage? Ouais, parce qu'il faut qu'on achète nos robes! Je vous rappelle les filles, il n'y a plus de réseau! Je vais te... Ne panique pas, essaie de penser à une autre fille! Une autre fille? Mais qui? Jennifer! Bonjour Hubert. Bonjour Jennifer. Tu parles? Elle voudra jamais de moi. Fais confiance à un expert, mon gars. Test micro, 1, 2. Agent Hubert, 789 564. Vous me recevez? Reçu 5 sur 5! Cible en vue! Go, go, go! Bonjour Hubert. Parfait. Maintenant, tu répètes après moi. Moi aussi, je fais du parachute. Quelle coïncidence! On est fait pour s'entendre. Ça le temps, n'est-ce pas? Ça vous dirait de venir boire un lait fraise chez moi? Ok. Yes! Champion du monde! Quelle cruche, cette Jennifer! J'arrive pas à croire que ça marche. C'est bon pour nous, ça, bébé. Je suis pas ton bébé. Pigé! Merci. Tu sais ce qui me plaît chez toi? J'adore tes petites pattes poilues. J'adore tes petites pattes poilues. C'est gentil. Hubert, avant d'aller plus loin, il faut que je vous demande quelque chose. On se réveille! Il se passe un truc important, là! C'est au sujet de cette petite mouche. Vous êtes ensemble ou pas? Soyons sérieux, Jennifer! Vous m'imaginez avec une mouche? Et pourquoi pas un oursin? Non! J'aime les vraies filles. Comme vous. Tu as pensé à refaire les joints de la salle de bain? Jennifer! Je vous avais pas vu, c'est tout moi ça. J'ai tendance à zapper les gens transparents. Non mais je croyais que... De quoi? Merci Takako, je gère la situation. T'es encore là toi? T'as pas les joints de la salle de bain à faire? Il faut que j'y aille, je vais être en retard à la piscine. Je viens avec vous! Sois raisonnable mon amour. Avec des verrues plantaires, c'est pas conseillé. Salut! T'es amoureuse de moi et t'as rien dit! Si ça se trouve, c'est toi qui m'as refilé le truc! Rien à voir! C'est l'autre asperge qui m'a manqué de respect! Je suis pas petite! Je suis parfaitement proportionnée! Bon, il faudrait se décider! C'est Hubert ton amoureux ou c'est moi? Je sortirai jamais avec toi. T'es gentil, mais tu me plais pas. C'est assez clair ou faut que je te fasse un dessin?
C'est pas grave. Il y a des mouches qui aiment les gros porcs, tu sais. Salut les amoureux. Oh, Hubert a déjà choisi son témoin pour le mariage. Ils perdent pas leur temps, hein. Ça fait quoi d'être amoureux pour de vrai? C'est comme si des choux-fleurs multicolores brillaient de mille feux dans le ciel de mon cœur. C'est comme voler au-dessus d'un champ de loukoum parfumé à la lavande et au chorizo. Ouf, c'est bon. On n'est pas amoureux. Sorti avec ses copains sans prévenir. Ouais. Tu crois pas qu'il pourrait passer quand même un petit coup de fil? Ouais. Parce que moi je m'inquiète en attendant. Ouais. Bon bah maintenant elle veut des enfants. Je crois que je suis pas prêt en fait. C'est trop tôt. On va plus avoir de temps pour nous. Elle se rend pas compte. En plus, je suis... C'est à toi de faire la vaisselle ce soir. Ouais, mais j'ai pas envie. On verra demain. On verra demain.